luma wax yena ko fuma jëm yena ko ni ma bëgg ñan la ni ma mel yena ko waral dal ci Senegal de ko gey ne jay moy sunu gal te ci ñun ñe jëssin te gal ma bëssin bëgg na leen Ningendi bege, nonu lay bege. Ningendi solo, nonu lay solo. Yen fi ngeen fat, fofu la deke. Bëgg na leen. Là on reçoit le capitaine du Sénégal, Masco. Mamadou dit Masco. C'est moi-même. Tu vas bien? Ça va et vous? Ça va très bien. Bah justement, juste après le tirage au sort, encore une fois, ouais. Vu qu'on reçoit tous les capitaines, un tirage au sort qui était quand même redouté. C'est clair. Qu'est-ce que tu penses de la poule, sachant que dans ta poule, Sénégal que tu représentes, ouais. Le Mali, en match d'ouverture, la Mauritanie et le Maroc. C'est clair que, bon, au vu de la deuxième poule, on va dire du groupe B, c'est vrai que c'est quand même un tirage assez facile pour, je ne veux pas dire facile, c'est prétentieux, mais assez correct pour nous. On va dire que, voilà, c'est clair que dans ce tournoi-là, on est favori. En tout cas, beaucoup d'équipes nous donnent le statut de favori. Donc, ouais, je dirais que c'est un tirage assez correct. Il y a vraiment juste une équipe qui sera quand même dure à manœuvrer dès le premier match d'ouverture, qui est le Mali. Donc, il faudra bien négocier ce match d'ouverture. Et ensuite, voilà, je pense que une fois qu'on aura lancé notre compétition par une victoire, je l'espère, Ça ira comme du ketchup, dirait Cristiano Ronaldo. Voilà. Ok, d'accord. Donc toi, là, t'es en train de nous dire que t'estimes que le Sénégal, qui en tout cas jouit du statut de favori donné par les autres équipes, il va assumer son statut? En tout cas, il nous donne le statut de favori, mais on se doit de respecter, quoi qu'il arrive, le statut, parce qu'on est quand même conscient de nos capacités, on est quand même conscient de la richesse de notre effectif. Voilà, on sait que normalement, c'est un tournoi, on doit arriver dans les derniers carrés. Et pourquoi pas, c'est même pas pourquoi pas, c'est on doit aller chercher la coupe. On doit aller la chercher. Ok. Donc pour toi, ne pas prendre la coupe, ça serait une contre-performance pour le Sénégal. Quand même. Non, moi, ne pas arriver en finale, ça serait une contre-performance. Sincèrement, je le pense parce que, comme je parle encore, je le redis, on a une richesse d'effectifs énorme. On a un mélange entre les anciens qu'on voyait jouer. Et les plus jeunes qui sont là, qu'on voit jouer actuellement, qui a un potentiel énorme. On sait que dans le quartier, voilà, il y a beaucoup de Sénégalais. On a un effectif riche. Donc là, le fait qu'on soit tous ensemble, unis dans une même équipe pour une première fois, c'est inédit. On peut pas se permettre de passer à côté de ça, quoi. Pas peur de la pression, justement? Non, au contraire, je pense que la pression va être là avant le match. Avant le match, une fois que le match va être lancé... Voilà, ça va. On est des footballeurs, okay. On sait comment ça se passe. Donc t'as confiance en ton équipe? J'ai énormément confiance en notre équipe. Énormément. En parlant de confiance, on a reçu le capitaine du Mali juste avant. Ouais. Qui nous a dit que le Mali, clairement, craignait de toute façon le Maroc. Ils nous ont pas parlé du tout. Mais craignait pas du tout le Sénégal et qu'ils avaient totalement confiance en eux. Ah, écoutez, la vérité, c'est le rectangle. Hein. C'est parler, c'est bien. Faire, c'est mieux. On sait, il y a des fois. Il y a des joueurs ou des équipes qui se permettent de parler, mais au fond, on sait qu'ils ont peur. Ils sont obligés de parler pour dire qu'on est là. Mais la vérité, c'est le rectangle. On verra bien le 1er août. On verra bien, mais sincèrement, moi, le Mali, ok, ils ont quelques éléments forts avec lesquels je joue en club. Mais mis à part ça, j'ai vraiment, vraiment pas peur du Mali. Sincèrement. Okay. Et il y a une chose qui est importante, justement, pour reparler un petit peu du Sénégal. Le Sénégal, c'est un pays qui est quand même riche de sa diversité ethnique. Ouais. Est-ce que tu penses pour toi, ça sera un frein ou est-ce que vous allez réussir à en faire une force? C'est une force parce que ça nous rassemble. Il y a une chose qui nous rassemble, c'est le football. Donc la diversité ethnique, ça peut être qu'une force. Ça peut être qu'une force. S'entendre tous pour une même couleur, un même maillot, une même passion. On est obligé, c'est obligé de ça fonctionne. C'est pas obligé. Ça peut pas ne pas bien se passer. C'est possible. Et est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Moi, je dirais que voilà, on représente les lions du Sénégal. On sait que les lions, c'est les rois de la jungle. Donc, on a quand même ce truc-là à représenter. Voilà, avec les griffes.
Donc je pense qu'on va sûrement griffer beaucoup d'équipes. 2, 3 ou 5 griffes, on sait pas, mais il y aura des griffures. Et voilà, force au Sénégal, Sénégal règle. Et allons chercher cette coupe ensemble. C'est l'homme qui a peur, sinon il y a rien. Poulpaye, kouaï, dingue qui we'll be right back.